Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on se retrouve pour une vidéo cheveux. Si je suis là, enfin je suis pas près de mon lit, vous doutez bien que je suis avec une personne que vous connaissez et c'est Aria. Elle va me poser une perruque aujourd'hui, donc je vais vous présenter ce que j'ai reçu avant, la perruque et toutes les informations, et tout sera noté aussi dans la barre d'infos, également le lien de la perruque et mon code promo. Du coup j'ai pris une wig comme ça, blonde, avec quelques petits balayages, en balayage. Et c'est une wig de chez Hachimari Hair. Et c'est du 26 pouces. Voilà, elle est incroyable les filles. Regardez la qualité. Elle est hyper longue, hyper dense. Du coup, les filles, je tiens à préciser que c'est pas une HD lace. Regardez la lace, elle est comme ça, je crois que c'est une transparente lace. De toute façon, ça sera écrit dans la barre d'infos. Et au niveau de la tulle, au milieu c'est profond. Vous voyez. Donc voilà pour la wig, de toute façon vous allez la voir après posée sur ma tête. Donc j'ai reçu ça dans une petite boîte comme ça, bleue. Dans la boîte on a des petits cadeaux comme d'habitude, donc j'ai reçu une paire de faucilles comme ça. Un petit truc pour couper la tulle, une espèce de rasoir. Le fameux peigne ABJR. Un petit bandeau pour resserrer la perruque. Oui, et je précise que Gloria m'a fait penser, c'est une HD wig cap. Donc c'est au-dessus les filles. Regardez. Donc voilà, ils nous fournissent vraiment des caps de qualité. J'apprécie. Pour terminer, ils m'ont envoyé un petit peignoir comme ça, Hachimari Hair, bleu. Très icy, très big en fait. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec le tuto. On va poser notre wig ensemble. Du coup, on se retrouve après pour ma pose de perruque. Enfin, on se retrouve tout de suite. Bisous. Alors là les filles, on va faire la technique, vous savez, du bonnet là, façon invisible pour la perruque. Donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. La perruque, c'est une 13×4. J'ai oublié de vous le préciser au début de ma vidéo, mais c'est impressionnant parce qu'on dirait une 13×6. On applique de la colle légèrement pour bien fixer le bonnet. Et ensuite, on en met un peu plus généreusement pour fixer la perruque. Donc là on passe le sèche-cheveux pour bien aplatir la perruque, pour pas avoir une perruque gonflée. Les filles, quand on a fixé la perruque, on s'est rendu compte que la tulle était beaucoup trop grande pour ma tête, mais vraiment, vraiment, vraiment trop grande. Du coup, ça faisait des petits traits au niveau du devant. Si vous avez un élastique pour les perruques, c'est parfait. Et si après votre tête, elle est un peu plus grosse que la mienne aussi, c'est parfait.
Là les filles, je viens de me rendre compte, à la caméra, avec la lumière et tout, on voit beaucoup la lace. Mais en vrai, ça faisait pas ça. Donc voilà. Sinon, je vous conseille de fondre la lace ou d'un peu plus la couper pour que ça puisse vraiment être invisible. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les informations sera dans la barre d'infos. Ah oui, quelque chose qu'on a remarqué et je précise parce que c'est important de vous le dire, vu que j'ai déjà fait mon intro, les filles, je tiens à préciser que c'est une 13x4 et en fait la raie elle est hyper longue, mais vraiment vraiment très très longue, on dirait 13x6. Donc on apprécie, les cheveux sont magnifiques, j'ai même pas eu besoin de passer le lisseur ou quoi, franchement la couleur elle est incroyable. C'est validé, vraiment validé. Donc si vous voulez vous procurer la perruque, allez checker la barre d'infos. Vous aurez aussi mon code promo et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les informations concernant la perruque, le site internet, la marque, etc. Et mes réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos!